Bonjour et bienvenue sur Automoto, sur le stand Kawasaki du salon de Milan 2016 pour découvrir la nouvelle famille Z 650 et 900. Donc c'est pas celle-là, hein, mais vous l'aviez compris, ça c'est les anciens modèles. Voici les nouvelles. Là, regardez en blanc avec le cadre vert, on a la nouvelle Z 650, un modèle d'entrée de gamme. Avec, vous voyez, cette fourche télescopique, mais on a l'ABS. Un petit bicylindre en ligne. Mais un look toujours très soigné avec, regardez, ce petit capot de selle à l'arrière. Jolie petite machine. Quand on vient de passer son permis, eh bien, c'est pas mal. Et voici la nouvelle Z900. Donc là, on monte en gamme, on est sur un 4 cylindres de 950 cm3 qui fait 125 chevaux. On a une fourche inversée, des freins plus costauds avec toujours ces disques à pétales, très sympa. Là, on voit la selle, pareil, avec un capot à l'arrière pour donner un côté plus racine, capot amovible, hein, c'est une biplace. Là, on profite d'un échappement à crapaud vide, mais évidemment, c'est de l'option. Ça, c'est assez joli, hein, le petit garde-boue arrière. Amortisseur arrière, vous voyez, la position quasi longitudinale. Donc, c'est une moto qui se veut quand même plus maniable que la Z800 qu'elle remplace, avec, vous voyez, ce réservoir quand même assez affiné. Position de conduite haute, toujours une ergonomie impeccable, une finition soignée sur les Kawasaki. C'est du japonais, donc c'est du robuste, on peut y aller. Regardez là, en noir, elles sont vraiment sympas. Et ici, on a une version grise avec un châssis vert. Ça, c'est vraiment, vraiment bien, avec les liserés là sur les jantes. Elle est vraiment belle, celle-là. Et maintenant, on va aller voir la patronne, la Z1000, qui existe désormais en version R juste à côté. Alors, la version R conserve le même moteur 4 cylindres qui fait plus de 140 chevaux. Mais désormais, elle dispose de freins Brembo majorés, d'une fourche inversée entièrement réglable. Ici, on a l'échappement à crapaud vide. Là, on voit le logo R Edition avec la selle qui se termine avec une optique à LED. C'est vraiment très beau en design. Hein. Enfin, c'est agressif, faut aimer. Moi j'avoue que je craque et je suis pas le seul. Hein. Les Z ont toujours eu beaucoup de succès sur le marché français et italien. Je ne vous ai pas montré l'amortisseur arrière Öhlins, entièrement réglable. Voilà, on voit bien là. Le réservoir et l'instrumentation assez minimaliste. Les rétros aussi hein, sont bien dessinés. Bref, avec cette famille Z au complet, on a aussi une Z300, une petite Z300, et bien Kawasaki est bien parti pour cartonner une fois de plus sur le marché. Allez, à bientôt sur Automoto!